Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul, donc un haul avec des fringues de sport, il y a des fringues lifestyle, il y aura certains petits achats aussi en plus, donc sans plus tarder, on va commencer, let's go! Donc en premier article, j'ai acheté cette brassière de sport là de chez Nike, donc voilà, c'est une brassière toute simple, noire et blanche avec des bretelles très fines et réglables comme j'aime, en col V. Voilà, parce que moi, c'est les bretelles et c'est les types de brassières qui me vont le mieux. Avec un dos croisé derrière, donc voilà. Donc super belle, je l'ai essayée, elle me va très bien. Pour ceux qui se demandent, je prends une taille S pour tout ce qui est brassière. Et celle-ci, elle m'a coûté 39,99 €. Donc voilà. En général, chez Nike, j'achète essentiellement des brassières de sport. J'achète pas forcément de leggings et tout, je suis moins fan. Mais pour tout ce qui est brassière, j'adore. Donc ça, c'est plus pour un maintien léger à moyen. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des articles chez Gymshark. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que pour tout ce qui est leggings, pantalons de sport, shorts, j'achète chez Oysho Sport et chez Gymshark. Donc là, j'ai voulu aller chez Oysho, mais c'était fermé. Donc je me suis rabattue chez Gymshark. Du coup, en premier article, j'ai acheté ce short-là gris. Donc voilà, c'est un short tout simple, donc une matière très extensible, super bien. Donc moi j'ai adoré, je l'ai porté. Donc il est un peu long en bas, il n'est pas short très très court. Donc voilà, je l'ai essayé, il me va super bien. J'ai pris une taille S et je l'ai payé 25 €. Donc voilà, comme d'habitude, Gymshark, j'ai rien à dire. La qualité, elle est au rendez-vous. Même si c'est une matière qui est claire, ce n'est pas du tout transparent. J'adore, enfin, honnêtement je l'ai essayé, je l'adore, il est super agréable à porter, il est relativement taille haute, donc voilà, moi je suis fan et donc voilà, c'est pour ça que Gymshark, vraiment j'adore. Article suivant, donc j'ai pris un autre short Gymshark, donc j'ai pris un short noir et blanc, donc voilà, donc un short comme l'autre mais en plus court, donc voilà, en taille S aussi, je l'ai également payé 25 €, donc je l'ai essayé, il me va super bien, il n'y a aucun problème. Il est peut-être un petit peu plus court que l'autre, donc voilà, mais sinon, super beau, super top, j'adore la qualité comme d'habitude. Ensuite, donc chez H&M, j'ai acheté cette brassière-là de sport, donc c'est une brassière toute simple, blanche, elle est côtelée, c'est un maintien léger aussi, donc j'ai pris aussi une taille S, vous avez des bretelles très fines et réglables. Ça j'apprécie et je ne l'ai pas payé du tout cher, je l'ai payé 9,99 €. Donc voilà, c'était la première fois que j'achetais des brassières de sport chez H&M et comme quoi ils en font. C'était au niveau du rayon des sous-vêtements et pyjamas et tout ça. Donc voilà, j'adore, j'avais pas de brassière toute blanche, toute simple, donc voilà, je l'ai achetée et je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai oublié, dernier article chez Gymshark, j'ai acheté ce legging là, je ne sais pas si on me voit bien. Donc voilà. Celui-là, c'est un animal slimless. Je crois que c'est ça la catégorie. Donc, super beau, super confortable. De toute façon, comme je vous ai dit, moi, les leggings Gymshark, ça fait 3 ans que j'achète chez eux. Et super confortable. Il est très taille haute. Vous pouvez faire des squats avec. Vous pouvez les laver plusieurs fois. Ça tient très, très bien au lavage. J'adore. Donc, voilà, franchement, moi, je suis fan. C'est pas du tout un partenariat ou quoi. Je pense que vous en doutez. Mais voilà, ça fait très longtemps que j'achète chez eux et je ne suis jamais déçue. D'ailleurs, j'ai fait ma commande hier et elle est arrivée aujourd'hui, donc j'étais trop contente. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté chez Gymshark et pour le sport de manière générale. Après, ce que j'ai acheté, c'est des fringues lambda. Donc chez H&M, j'ai acheté ça. Donc c'est des grandes chaussettes, des high knee. J'ai payé la paire 9,99 €, donc moi j'adore ça en hiver, en automne-hiver, donc ça remonte jusqu'en haut du genou, c'est super confort, c'est côtelé, moi j'adore porter ce genre de chaussettes en hiver, vous mettez ça avec une petite robe sweat ou un truc comme ça, moi je trouve que c'est top. Donc j'ai pris d'abord ça chez H&M, ensuite chez H&M j'ai aussi pris ce haut là en simili-cuir avec des manches bouffantes, donc celui-là il est assez... assez moulant, un peu crop top comme ça, avec des manches bouffantes, moi j'adore, je suis fan. De toute façon, tout ce qui est en cuir, en ce moment j'achète que ça, donc j'ai des robes en cuir, des hauts en cuir, shorts en cuir, je suis fan, donc voilà. J'ai trouvé celui-là chez H&M, donc je l'ai pris en taille 36 et je l'ai payé 24,99 €, donc je trouve que le prix est raisonnable. De toute façon, chez H&M, je trouve que les prix de manière générale sont raisonnables. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez H&M? J'ai pris un dernier truc.
J'ai pris cette jupe lin en cuir. Donc voilà, toute simple en cuir. En fait, moi, j'en avais plus. J'en avais une ancienne de chez Zara, mais en fait, assez usée et tout. Donc voilà. Et donc celle-là, voilà, je l'ai pris en taille 36 à 19,99€. Donc je trouvais que ça valait complètement le coup. Donc c'est pas forcément pour aller avec l'autre haut que j'ai acheté, mais voilà, ça peut se mettre avec tout. C'est très automnal, ça fait très hiver aussi. Et puis voilà, je m'habille pas qu'en tenue de sport tous les jours. Donc voilà, voilà pour cette petite jupe-là, taille 36. Ensuite, je suis allée chez Pull&Bear et j'ai trouvé cette robe-là. J'ai craqué sur cette robe ici. Hop. Donc c'est une robe fleurie, moi ça j'adore porter ça en automne, je trouve que ça va super bien. Vous mettez un petit perfecto, vous mettez une petite ceinture, des bottines ou des baskets et franchement ça fait le taf. Je la trouve super belle, donc je l'ai pris en taille S et je l'ai payée 29,99€. Donc voilà, pour moi gros coup de cœur chez Pull&Bear, je la trouve magnifique, franchement ça change et en plus ça met un petit peu de couleur, ça change un peu des autres couleurs qu'on voit tout le temps, vert kaki, marron, tout ça, donc voilà. Enfin, dernier article mode, donc j'ai acheté ces bottes là chez Pinky, donc en taille 37, je les ai payées 39,99€, donc c'est des cuissardes avec des lacets en haut, ça j'apprécie beaucoup parce que quand on a des petits genoux comme moi, les bottes qui tombent tout le temps c'est chiant, donc là c'est cool, vous avez des lacets pour pouvoir régler la taille, et donc voilà, toute simple, j'en ai déjà des normales mais sans talons, j'en voulais avec des talons, donc voilà, j'ai trouvé celle-ci et je les ai prises. Enfin, dernier achat, c'est un livre, donc les 4 accords Toltec, donc ça c'est une amie qui me l'a conseillé. Faut savoir que moi je lis énormément de développement personnel et ce livre-là est très connu. Et je ne l'avais pas encore lu, donc hier quand je suis partie à la FNAC pour acheter un câble, je suis tombée dessus et je me suis dit tiens c'est l'occasion de le lire. Voilà, j'en ai entendu vraiment que du bien. Moi je suis une grande fan de développement personnel, d'ailleurs vous m'avez demandé sur Instagram de vous faire un inventaire un peu de mes livres préférés et tout. Je pense que je vais vous préparer ça. Mais voilà, j'attends de lire celui-là, de me faire mon avis et de voir si je le mets dans le top ou non. Voilà pour ce haul. Donc il n'y avait pas non plus énormément de trucs. C'est vrai que j'achète très régulièrement des fringues, mais voilà, je les montre pas forcément en vidéo ou quoi. Donc là, c'est la première fois que je fais ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo et en partageant ou en la partageant tout simplement. Je sais même plus parler. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications. Sur ce, la team, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.